Bonjour à tous, c'est moi Gamer du Dimanche de retour pour une petite vidéo avec trois tests de jeux. Des jeux sortis sur NES, sortis tous les trois en 1991. Donc c'est les fameux trois jeux de NES que j'ai eu en cadeau par un collègue de travail qui m'a gentiment proposé de me les donner après un bon petit nettoyage dans son grenier. Donc je leur remercie encore une fois. Alors voici donc les jeux que je vais vous présenter. Le premier que je vais vous faire voir, ce sera The Adventures of Bayou Billy, sorti donc sur NES en 1991, édité par Konami. Donc voilà la fameuse jaquette. Ensuite, on testera Street Gang, sorti donc lui aussi en 91 et édité par Infogram. Voilà. Puis on terminera par A Boy and His Blob, édité par je sais plus, Absolute Entertainment. Voilà. INC. Donc voilà pour les jeux que nous allons tester ensemble. C'est parti sans plus tarder. Je déballe la première jaquette. Voilà la fameuse cartouche. Hop. La manette, je l'ai posée là. Et c'est parti. Donc voilà, donc on a accès à un joli petit menu avec la petite démo qui commence. Donc voilà, bon bref, on va passer. C'est peut-être des niveaux de difficulté, je sais pas, faudrait que j'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous dire. Voilà, en fait, Annabelle se fait kidnapper par un méchant. Voilà, c'est l'histoire qu'on peut retrouver, l'histoire classique qu'on peut retrouver dans la plupart des jeux. Comme par exemple Mario avec la princesse qui se fait sans arrêt kidnapper, donc là c'est la même chose. J'ai pas tout lu, j'étais en train de regarder autre chose en attendant la vidéo. Mais je pense qu'il doit vouloir quelque chose en échange. J'ai pas tout lu, désolé, enfin bon, vous avez dû le voir. Et donc la partie commence quoi. Ce stage utilise le contrôleur. Alors je sais pas, j'ai pas été plus loin. À mon avis, je me demande s'il n'utilise pas le fameux zapper de la NES. J'ai vu pendant le mode démo qu'il y avait un curseur qui se déplaçait et je me suis dit peut-être qu'on a le droit d'utiliser le zapper, on verra. Au fil du jeu. Voilà, c'est parti. Un petit coup de pied. Ah, c'est pas facile. Voilà. Ça commence bien déjà, j'arrive pas à le buter. C'est pas maniable et en plus, les mecs ils font que de se déplacer, ils vous suivent sans arrêt, vous pouvez pas les. Alors il me reste plus que 3 quarts de vie. Après sinon bon les graphismes sont pas vilains, on va dire qu'ils sont géniaux, mais bon c'est une NES quoi. Tiens tac, hop, allez, il y en a un de mort, voilà. Et voilà, on continue. On a un joli chapeau, on est déguisé un peu à l'Indiana Jones là. Bon bah je suis mort, super. Donc voilà. Moi sinon, c'est pas trop mal fait quoi, je dis. Le joueur se déplace bien, on a même mis les petites zones d'ombre sur le sol. Oh putain, les mecs sont déjà 3 sur moi quoi. Ah putain, j'ai pas le temps de récupérer le thème.
bon. Non. Ah oui, alors là, il y a des espèces d'aigles. Il faut les éviter, sinon ils vous rentrent dedans. Et après, c'est cuit. Ah ouais, alors là, il y a des... des crocodiles qu'il faut à tout prix éviter. Ah, purée. Des aigles encore, hein. Espèce de buse. Alors eux, ils lancent des cailloux, donc voilà, alors, on va se méfier. Hein. Alors, ce qui est mieux, c'est de se mettre derrière eux quand ils ont les cailloux. Comme un gros traître, on se met derrière, on se bat. Oh, j'aurais bien aimé ramasser le... Voilà, là, 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 là. J'ai récupéré un bâton que je peux me servir pour frapper mes adversaires. Voilà. Le bâton, c'est le bouton B. Change pas. Ah, alors là, ah, je suis mort. Bon, alors il avait lâché un couteau. Bon, enfin, bon, voilà quoi. Je vais pas aller plus loin. Hein. Comme trois jeux encore à faire, c'est juste pour vous montrer rapidement ce petit jeu. J'aurais aimé aller plus loin, mais après la vidéo risque de durer très longtemps. Je vais essayer de passer ce niveau quand même si j'y arrive. Voilà. Bon. On va essayer de buter celui-là. Là. Je vais récupérer son couteau. Voilà, je l'ai tué. Donc, j'ai récupéré les deux armes. Donc, le couteau et l'espèce d'épée là, ou ça. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Alors là. Là vous allez voir, on va mettre 3 heures pour les tuer. Il faut les taper je sais plus combien de fois. À ce niveau je trouve que c'est un peu abusé, un peu long quoi. D'autant plus qu'ils donnent des items pour pouvoir récupérer de la vie. Mais le problème c'est que les items ils tombent dans l'eau, vous voyez. Donc là c'est. Voilà, donc hier je l'ai testé le jeu. Je suis resté au moins bien 10 minutes devant ces crocodiles. J'ai pas réussi à les tuer aussi rapidement. Il doit y avoir une combinaison, je sais pas comment faire. Donc voilà. Alors ensuite, donc, un joli game over. On va tester un jeu que j'ai adoré, que j'ai vraiment bien aimé. Donc Street Gang. Comme j'avais dit tout à l'heure. Apparemment, j'ai regardé sur internet un petit peu les avis des gens et les avis de plusieurs joueurs, plusieurs sites spécialisés dans les jeux vidéo. Et il s'avère que c'est un super jeu qui n'a pas été très connu, mais un des meilleurs jeux dans sa catégorie. Donc, je l'ai testé hier et c'est vrai que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, vous allez voir tout de suite. Donc, ce jeu sorti donc, en 91 qui a été édité par Infogrames, donc
se joue à un ou deux joueurs. On peut choisir donc le personnage par défaut. Alors par contre, je sais plus les noms. Donc soit lui. Donc voilà. On va prendre le premier. Hein. Donc on peut choisir un niveau de difficulté. Bon alors en fait donc Street Gangs donc les gangs de la rue quoi en fait c'est on fait partie donc d'un gang et le but du jeu donc c'est de frapper les gangs adverses. C'est de frapper donc les autres gangs et en fait de régner dans la ville quoi, d'être le maître de notre ville quoi, le roi de la ville, le roi des gangs. Et donc vous voyez bah c'est vachement sympa, je trouve que c'est vachement bien fait, ils ont des petites bouilles assez rigolotes les joueurs, les graphismes sont vachement bien faits, c'est vachement bien détaillé pour l'époque, c'est super quoi. Jeu de baston et les joueurs sont rigolos, moi ça me va quoi, franchement. Hop, on en a tué un. Une petite pièce, donc on leur vogue de l'argent qui nous servira justement à récupérer des items un peu plus tard. Voilà donc pour les touches, donc A pour frapper, B pour mettre le coup de pied ou pour ramasser les objets au sol, pour s'en servir ensuite contre nos ennemis. Et si on appuie deux fois sur le bouton direction gauche ou droit, on peut courir. Ça, c'est vachement bien aussi. C'est vachement utile. Voilà. Donc, le bouton select qui fait commuter l'affichage en haut. Donc, B, vous voyez, pour ramasser et B pour jeter l'article. L'arme. Et regardez, tac. Et hop, je l'ai frappé. Hop. Voilà. Donc select, c'est pour afficher l'argent qu'on a ramassé ou les barres de vie. A savoir que en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a on a de la vie limitée quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que bon, on a 5 petits curseurs ici qui nous affichent notre barre de vie, notre jauge de vie. Et une fois la jauge de vie terminée, on perd pas de vie. Bon, alors me revoilà. Bon, ça se verra pas dans le montage, mais j'ai eu une petite panne de batterie. Donc, d'où le petit décalage certainement dans la vidéo, on voit la télé qui bouge. Bref, donc j'en étais au magasin où on pouvait acheter donc, des items afin de pouvoir donc récupérer de la vie. Donc là, on va prendre tiens des pancakes. Comme on a. On a assez d'argent. Donc voilà, un petit pancake qui me ramène 32 points de vie. Tac, donc la barre de progression a remonté, la jauge. Donc c'est bon. Donc bah on veut plus rien, donc on sort. On y retourne. Et des boutiques, vous en avez plein. Vous en avez un paquet. Là pareil, là c'est une petite boulangerie de nuts, muffins, voilà, croissants, etc. C'est ce qu'on veut, oui, c'est ce que je veux. Est-ce que tu veux autre chose? Non. Je veux plus rien. Donc voilà, donc des boutiques, vous en avez plein, vous avez un bar à sushi, là pareil, encore une autre boutique. Alors là, on va récupérer déjà la pièce. Mais ce qui serait bien, c'est que je puisse voilà, récupérer le pied de biche. Parce que là, avec le pied de biche, je peux vous dire que là, on fait dans la dentelle avec ça. Là.
Tac. Ça, ça fait mal. Bon, on va s'en aller. Oh, alors là, il y a aussi... on peut rentrer par là. Hop, voilà. Bon, je sais pas c'est pour quoi faire. Bon, j'ai perdu. Voilà. Donc voilà, en gros, donc un petit jeu bien sympathique. Avec des jolis petits personnages, bien sympa. La maniabilité est parfaite. C'est nickel, quoi. Y a rien à dire. Le jeu est intéressant, super intéressant. Je le préfère quand même à celui d'avant qu'on a testé tout à l'heure. Hein. Qui était un peu gnangnan, un peu chiant, quoi. Ah, je sais pas pourquoi je suis mort. Hein. Tiens, toi, tu vas prendre. Voilà, deux coups, vous avez vu, deux coups de... Tout à l'heure, je disais que c'était deux coups avec le bois, là, le manche de bois, mais non, en fin de compte, c'est avec le pied de biche. On va se barrer. Ah, mais ils me suivent. C'est pas grave. Ah, ils sont en courant, le petit flatteur. Ah, le salaud. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Non, c'est pas grave, on continue. Alors là, on continue notre aventure. En fait, si vous voyez, quand on court, il n'y a même pas besoin de tenir le bouton, ça court tout seul. Alors, je suis pas très bon anglais, mais une histoire de kidnapping, je crois. Et apparemment, il faudra peut-être aller la sauver. Je sais pas, je comprends rien. Je suis vraiment nul en anglais. Personne qui est en danger, apparemment. J'appuie deux fois sur le bouton et ça court tout seul. Tac. Un pneu. Allez, hop. Et voilà. Récupère la pièce. Franchement, c'est un jeu que j'adore. Je comprends même pas que... Je connaissais pas du tout quoi. Je remercie encore le collègue de l'avoir donné ça. Parce que franchement, alors il m'a donné donc comme je disais, il m'a donné ces trois jeux, mais il m'a aussi donné une NES avec une manette et un zapper. Et il m'a aussi donné Super Mario Bros 3 et Duck Hunt et Mario Bros. Bon, j'ai perdu. Donc voilà. Bon, on va continuer avec le troisième jeu. Avant que ma batterie ne relâche encore. Voilà, puis les musiques sont bien entraînantes, elles sont bien marrantes. J'aime bien. Franchement, ça donne envie de continuer. Bon, bah, même si je fais que de me faire buter là. Ah oui, alors sauter, c'est pareil. Il faut appuyer sur B et A en même temps pour sauter. C'est la même chose. Après, est-ce qu'il y a des combinaisons de touches à faire pour justement pour contrer les coups, ça aurait été pas mal quoi. C'est ce qui manque un peu. Alors peut-être qu'il y en a un. J'essaie de trouver mais je trouve pas. Alors pas vraiment. Par moment, il monte le point. Ah, à mon avis, il doit falloir appuyer sur un bouton au moment où l'autre frappe. Il faut appuyer sur un bouton, je pense. Bon, lui, il recule, il a pas envie de se battre. Je vais courir. Mmh.
Ah zut, quand on fonce dans un mur, on se fait buter. Alors ça, c'est complètement con. Non, j'adore, c'est tout carré, c'est tout, j'aime bien. Ah, j'ai pas été ici. Ah, oulala, là, ça rigole pas là. Ah, il y a les battes de baseball, là. Les points américains et tout. Ah putain, zut, je croyais qu'il était mort. Il va pas mourir lui. Ah l'enfoiré. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire voir donc le troisième et dernier jeu. A boy and his blob. Ils auraient pu dire plutôt a boy and his daube. Parce que personnellement, je n'aime pas ce jeu. Je trouve ce jeu ennuyeux, nul, mal fait. Vous allez le voir par vous-même, peut-être que vous allez dire le contraire. Tac, c'est parti. Déjà rien qu'à regarder la jaquette, enfin moi perso ça me donne pas envie quoi. Quand je vois ce gros truc tout gluant, une espèce de machin tout visqueux là, bonbon et tout, ça, enfin moi personnellement ça me donne pas envie, on dirait plutôt une cartouche de jeu qu'on gagne en achetant un Big Mac. Enfin franchement c'est. Enfin, moi j'aime pas du tout, c'est moche. Et pourtant ce jeu est moyennement bien noté apparemment. Donc voilà, donc on incarne, je sais plus comment il s'appelle ce mec, je sais plus le nom du gars en fait, qu'on contrôle, enfin bref, on contrôle donc ce petit personnage, et donc le but c'est de progresser au fil du jeu à l'aide de notre fameux blob, qui peut se métamorphoser, se transformer en objet que l'on aura besoin pour progresser justement dans le jeu. Par exemple, je vais vous faire voir, on va prendre, je sais pas, n'importe quel, parce que ça c'est pareil, il y a un truc, vous voyez, quand j'appuie sur Select, on fait changer les textes en dessous. Ces textes, ça sert à donner un chewing-gum, donc chewing-gum, goût, ketchup, ou bonbon, je sais pas, strawberry, donc c'est framboise je crois, noix de coco, cola, à pomme, enfin voilà, vanille, bon je connais pas tous les noms anglais, mais en fonction de ce qu'on lui donne, il va se transformer en quelque chose. Donc, je lui donne un chewing-gum en appuyant sur A donc, et là paf il se transforme. Alors là il se transforme en trampoline, vous voyez. Ça peut être utile si par exemple je dois aller sur une plateforme vachement plus haute. Il peut se transformer en échelle, en chalumeau, en tout ce qu'on veut. Et une fois que j'ai plus besoin de sa transformation là, j'appuie sur B, je le siffle, il revient. A savoir qu'il me suit partout. Et aussi un autre truc. Donc vous voyez, c'est pas comme un jeu standard, ça change d'image en fonction de mes déplacements, tac, je change d'image, tac, je reviens sur le... Voilà. C'est pas comme Mario par exemple où l'image défile et suit le personnage en plein milieu de l'écran. Donc aussi, comme vous voyez, bah, les déplacements sont limités. Gauche, droit, B pour siffler, A pour donner un chewing-gum, c'est tout ce qu'on peut faire. Select pour changer le donner le chewing-gum qu'on veut. Start propose bien sûr. Voilà, c'est, moi je me fais chier quoi avec un jeu comme ça quoi.
le personnage au niveau animation, que dire, ça reste sympathique, mais ça reste vachement trop simple par rapport aux autres jeux qu'on a vu tout à l'heure. Moi je le trouve personnellement vraiment pas terrible. Vous avez vu, donc il court. Dès qu'on arrête, hop, il glisse. Ça peut être une embûche quand on passe à côté d'ennemis. C'est-à-dire que si vous arrivez trop fort, tac, vous voyez, par exemple, admettons que la bouche du goût c'est l'ennemi. Je vais vous faire voir. Hop, je m'arrête avant et je glisse, je tombe dessus. Donc on a intérêt à bien prévoir de s'arrêter avant, au bout de faire des mouvements de va-et-vient sans arrêt. Ce qui est très chiant. Vous voyez, même là, je cours pas très vite et pourtant, voilà. Le bubble, le blob là, il met 2 heures pour me suivre, donc il faut tout le temps l'attendre. Donc je vais vous faire voir un petit peu à quoi ça sert. Donc pour descendre, si quand même on peut se servir de la flèche, je sais pas. Donc là, vous voyez, ici il y a un trésor. Comment je fais pour aller chercher le trésor? C'est simple, enfin c'est simple, c'est un peu compliqué. Il va falloir repérer que, par exemple, là, le bonbon que je lui ai donné, il se transformait en trampoline. Ce qui est bien, c'est qu'il faut, enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est noter la fonction de chaque bonbon, en fait. Donc là, poney, jelly beans, permet de se transformer en trampoline. Il faudrait le noter sur un papier afin de s'en rappeler, parce que franchement, quand on regarde toute la liste de bonbons qu'il y a, à savoir en plus que c'est en anglais, nous encore, bon, une personne qui adulte qui comprend l'anglais, adulte ou même un gamin qui comprend l'anglais, qui arrive à peu près à se rappeler, qui a une bonne mémoire, ça ira. Mais un gamin qui à l'époque avait 6, 7 ans, qui jouait à ce jeu, tu peux pas te rappeler de tout ça, quoi, c'est impossible. Donc l'important, ce qu'il faut faire, c'est tout noter. Donc par exemple, bah là, le problème, c'est que, à moins peut-être d'avoir la notice, moi j'ai pas la notice. Ce serait de savoir la fonction, de connaître la fonction de chaque bonbon. Donc on va essayer celui-là, on va voir. Bah, c'est pas le bon. On va en essayer un autre. Celui-là, tiens. Donc voilà, donc là il s'est transformé en trou et on peut traverser, on le rappelle. On le place ici, on lui donne le chewing-gum pour le transformer en échelle. On récupère le trésor, hop, on le rappelle, et on lui fait remettre l'échelle ici afin de pouvoir remonter sur la plateforme. Voilà. Alors, donc j'ai eu encore une panne de batterie, bien entendu. Voici notre échelle pour remonter. On le rappelle, il monte, il revient. Et là, généralement, c'est la galère. Un coup sur deux, il veut pas remonter. Alors là, c'est la grosse merde. Voilà. Donc là, je sais pas comment faut faire. Gros bug là. Est-ce qu'il peut choper chaud? Même pas. Voilà. Donc voilà le truc bien chiant dans ce jeu, c'est que c'est pénible, quoi, c'est chiant. Je m'emmerde, quoi, dans ce jeu, que je me fais chier. Voilà. Donc voilà, donc mon petit blob il est en bas, donc il peut plus remonter, moi je peux pas redescendre. Donc je fais quoi là? Ben on fait rien. Si ce n'est que je peux appuyer sur Power Reset afin de recommencer. Donc voilà pour ces tests de petits jeux.
Bon, j'explique pas très bien, je suis pas un pro comme tous ceux qui le font sur internet. Mais bon, c'était histoire de partager mes petites acquisitions du moment, à savoir, pour récapituler, The Adventure of Bayou Billy, pas trop mal fait pour un jeu, je veux dire. Voilà. Donc, à savoir que il y a plusieurs, il n'y a pas que des jeux de plateforme comme ça où on tue des gens. Il y a aussi des jeux de voiture et des jeux de shoot aussi. Donc voilà, Street Gang, excellent, très bon jeu, super sympa. On progresse bien, on avance bien, maniable et tout. Et A Boy and His Daube, qui pour moi est vraiment nul. Mais bon, après, chacun ses goûts, vous aimez pas, voilà. Voilà, donc c'était moi, Gamer du Dimanche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!